Hey, salut tout le monde, c'est les anges, on se retrouve pour l'épisode 7 de Portal 2. J'espère que vous allez bien, moi ça va toujours bien, impeccable. On reprend où on en était arrêté. Ouais, on n'a pas le temps, on y va, pas le temps, faut y aller. On a une petite glado. Oh, ça queen. Voilà, ça queenait. Du coup, ça met du gel bleu et ça met du gel orange. Du coup, je crois que là, il me faut du bleu. Et là, sur le reste de la piste, il me faudrait de l'orange. Ça va être ça. On va faire ça. Ouais, ouais, ouais. Là, il me faut du... Faux. On va faire l'inverse. Enfin, on va faire l'inverse. On va d'abord mettre l'orange. À moins que... Ouais, je teste des choses. À moins que ça fasse ça. Ah. Mais voilà, là oui, là ça se discute, là, c'est bon. Allez, j'ai trouvé. Impeccable, voilà. C'est pile ce qu'il fallait, là. Je savais bien qu'il y avait un truc comme ça. Et là, on remet de... On remet ça. Et voilà. Et du coup... Paf. Paf. On est tombé. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a là, non ? Ouais. C'est celui-là qu'il faut. Eh oui. C'est celui-là qu'il faut. Pour bien voler. Allez. On peut le faire. Bravo, astronaute. Merci. Nous allons... C'est allumé ? Bon, écoutez-moi bien. Ce truc, ça s'appelle un ascenseur, pas une pissotière. Normal. Ah, tu le connais, GLaDOS ? Écoute, aucun problème. C'est lui qui a écrit... Oh, l'ancien logo Aperture. Oh la vache ! C'est... On remonte très très loin, là. Pouf ! Oui. Si ça vous tente de gagner $60 de plus, avisez-en un préposé au test. Okay. Imaginez un peu repartir d'ici avec 120 beaux billets dans votre sébille. Oh oui. Ce que vous avez à faire, c'est de nous laisser vous disséquer, vous incorporer 2-3 trucs scientifiques et vous recoudre. Eh oui. Je sais qu'il y a un truc à faire là. Il y a plein de choses à faire ici. C'est assez violent d'ailleurs. Tac tac tac. Ouais ouais, je sais, j'ai mis la peinture. Pourquoi là ? Ah, pourquoi là ? Parce qu'on peut atteindre ici. Et de là... Alors là-bas, il y a une caisse. Et là, on a... Bah, il faut mettre de la caisse ici. Alors... J'aime bien voir ça fait quoi. Là on a de nouveau une plateforme. Ok, donc là ça va être un méga tremplin. On va arriver ici, on va faire... On va rebondir là et on va atterrir là-bas. Mais il faut qu'on fasse tout avant. Et ça c'est le plus chiant. Du coup. Tac. Normalement, ça va mettre de la peinture bleue ici. Impec. Voilà, super. Allons chercher ce cube. Pardon. Je savais plus si je pouvais descendre ou pas en fait. Tac. Du coup, faut que j'emmène là-haut. Voilà. Faut mettre la peinture là.
Non. Voilà. J'ai mal fait parce qu'il faut en fait qu'on peigne. Voilà. Qu'on peigne d'abord en fait la plaque. Oh, arrête, passez. Voilà. Encore une petite couche, et puis ça devrait aller. Hop. Oulah, c'est dangereux ce que j'ai fait. Voilà. Tac. Voilà. C'est très très loin, hein. Je suis vraiment désolée. Mais là, ça va être des trucs vraiment longs. Allons-y. Ouh, c'était limite. Si ça vous intéresse, voilà. C'était limite, hein. On parlait tout à l'heure. Mais bon. Comme je disais, il suffit de se laisser disséquer. C'est pas la mer à boire, hein. On sait non. Comment remettre les morceaux en place après. Oui, c'est sûr. Fini les tumeurs, les cirrhoses, tout ça. Vous vous sentirez propre comme un sous-neuf. En fait, c'est vous qui devriez nous payer. Bonjour. Voilà. Voilà. Bon. Voilà. Aperture. C'est super. Petit coup. Impeccable. On avance doucement mais sûrement. Hein. Merci. De rien. Je remercie ces gens-là. Merci d'avoir assez désaulé pour participer au test. Désaulé quoi. D'Aperture Science. Échelle propulsif, voilà. Utile à la société et la société vous est reconnaissante. Dans le cas où vous aviez des affaires personnelles, prenez avec vous. Inutile de laisser traîner des cartons et des sacs poubelles ici. Je sais bien que pour vous, $60, c'est une manne inespérée. Évitez de tout claquer en. Caroline, qu'est-ce qu'ils achètent ces gens-là? Des morpions, de la crasse? Hein? Des morpions, de la crasse? Une petite dégueulasse. Voilà, c'est le gel propulsif. Ah, j'aime pas quand c'est en hauteur, j'ai tellement peur, c'est fou quoi. Oui, bon, pas de soucis, c'est pas comme si tu m'étais indispensable pour l'instant. Quand même. Je tiens à te le dire. Ça va, ça devrait aller. Je vais actionner tous les boutons du monde. Allons-y. Allez travailler, les copains. C'est la merde. C'est la merde. Voilà, là c'est passé cette fois. Mais. Oula! Ah bah maintenant, mettre des trucs comme ça. Go! Ah, j'étais coincé. Hop! C'est un démon! Non, c'est un oiseau. Il s'est bah oui, c'est envolé. Tant mieux pour lui. Oh la trouille qu'elle a eue, c'est fou ça. Bon, reprenons les tests. Non, toi tu réfléchis et moi je travaille. Voilà. Non mais oh. Alors ici, ouais, il va falloir que je mette un truc là. Parce qu'il faut que j'aille là-bas. Mais ça va quand même vachement haut, quoi. Ça va quand même vachement haut. C'est bon, j'ai trouvé. Wouhou ! Après des milliards de... Après des milliards de portails posés et remis, j'ai trouvé. Oh, oh la pute. Bah non, en fait, j'avais oublié qu'on pouvait faire ça. Voilà. Bienvenue au centre d'enrichissement.
Oula, tu tousses, Jackie. Depuis que tous les employés sont tenus de participer au test, la qualité de nos cobayes a augmenté sensiblement. La longévité du personnel, beaucoup moins. Résultat, on va devoir supprimer progressivement les tests sur les humains. Mais avant ça, il y a encore 2-3 trucs à finir. La compta m'a dit qu'on n'avait pas les moyens d'acheter pour 70 millions de rochers lunaires. Même pas pour 7. Rien à carrer. J'ai broyé tout ça, j'en ai fait un gel. Et vous savez quoi? La roche lunaire broyée, c'est un poison violent. Je suis condamné. Rien. Par contre, c'est aussi un excellent conducteur pour les portails. Donc logiquement, on va déterminer si des sauts répétés par ces nouveaux portails peuvent drainer le poison lunaire. Moi, quand la vie me fait trébucher, je me relève. Allez, on positive et on fait les expériences. Carrément. Cela dit, si vous pouvez terminer les tests le plus vite possible, ça m'arrangerait. Caroline, rapporte-moi des antalgiques, tu veux? Allez, Caroline. Voilà. Bon. J'avais bloqué un chouïa. Mon chat a miaulé. Fais dodo. Ouais, le soleil, il est bien là. Voilà, bon. Ah, tout ça, là, les trucs aériens, c'est assez embêtant. Mais bon. On fait avec. Ah, le gel blanc. Le gel portail. Faire des portails dessus. Alors là, on va s'amuser. Là, on va s'amuser. C'est pareil, ça va être long. Non, il fait pas de portail. Ça va être long, fastidieux. Est-ce qu'il faut amener... Bah, il faut amener le tout ça derrière. En fait. Pouf. Voilà. Bon, j'ai pas mal réfléchi. Quand la vie vous fait trébucher, ça ne suffit pas de se relever. Il faut lui péter les rotules à cette grognasse. Oeil pour oeil, dent pour dent. Essaie un peu de te relever maintenant, traîner. Je vous jure, la vie regrettera le jour où elle a osé faire trébucher Kate Johnson. Tu sais qui je suis? Je suis le grand méchant loup qui va faire tomber ta mère. J'ai ordonné à mes ingénieurs de monter des rotules sur ta maison pour pouvoir les lui péter. Non, au petit cochon. Mon postulat est simple. Si on peut stocker de la musique sur un disque compact, pourquoi pas l'intelligence et la personnalité d'un individu? Mes ingénieurs sont en train de plancher là-dessus. Ça fait 30 ans qu'on aurait dû se concentrer sur la cartographie cérébrale et l'IA. Enfin bon, c'est trop tard pour faire machine arrière. Je le dis, je le redis et je vais le diffuser en boucle pour que ça rentre dans le crâne à tout le monde. Si je crève avant que vous arriviez à me transférer dans un ordinateur, je veux que Caroline prenne la relève. Elle va rechigner, c'est son genre, toujours trop modeste. Je ne veux pas le savoir, forcez-lui la main. Ça marche. Eh bien, mettez-la dans mon ordinateur, je m'en fiche. Bien, fin du test. Vous pouvez retourner à votre bureau, tu veux? Bye bye monsieur. Ok. Bonjour, on va s'amuser à escalader un peu tout ça. Tac. Oula. C'était si haut. Faudrait que je monte encore. À moins que je trouve. J'ai trouvé!
Ah oui. Ah ouais, non mais si on a joué comme ça aussi. J'ai perdu de la vitesse. Ah, je l'ai vu. Bonjour. C'est bon. Je sais pas comment je vais, mais j'ai réussi. Ah, un chargement. Bon, on en est à 26 minutes. Je sais que j'aurais fait un accéléré pendant que je mettais tout le gel blanc un peu partout. C'est dégueulasse ce que je viens de dire. Mais, ouais. J'aurais sûrement coupé aussi le passage où je cherchais. Bah oui, t'inquiète. Mais non. Je ne vais pas vous mentir, les chances sont de 1 sur 1 million, en arrondissant généreusement. Bah oui. Mais peu importe, on sort les griffes. Quitte à exploser, autant exploser dignement. J'avoue. Faut que j'amène du gel blanc ici. Là j'ai du bleu. J'ai pas de blanc. Ah, quoique non, peut-être. Besoin en fait. Non, c'est bon, du bleu, il faut du bleu. Tac, tac, tac. Non, Z, c'est mieux. Du coup, il faut que je mette le portail bleu. Boing. Ok. Alors là-bas, il y a du truc blanc. Truc blanc. Ah, man. Attention. Et là, je dois re-sauter. Hop. J'ai failli. Handicapé. C'est bon. Voilà. Bon, mais dis donc. Alors. Ouf. Alors, les trois gels. Propulsif, répulsif et gel portatif. J'en sais rien. Je n'en sais rien. Alors, il faut que j'aille où? Alors, si mes souvenirs sont corrects, faut que je fasse ça. Quoique non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Faut que je fasse ça. Pour ensuite mettre, je crois, de la vitesse. Je réfléchis. Pa, 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 la, la, la. À moins que, en fait, non, pas du tout. À moins qu'il fallait juste du blanc là, quoi, pour foutre un portail. Tout simplement. Je crois que c'est ça. Testons. Banco. Hop, 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 hop. Calme-toi. Calme-toi. Alors maintenant, il s'agit de pas faire la con. Sinon, il faut que je recommence tout. Alors, du coup, là, je mets un portail comme ça. Parce que là, il me faut du blanc. Et il est là. Voilà. Pour faire ça. Ensuite, il faut... Il faut du bleu. Pour rebondir.
crois qu'il y a que ça à faire. Enfin, il y a que ça. C'est devenu très long, très... les niveaux sont devenus vraiment longs et pas compliqués, mais vraiment longs. Je crois que c'est ça, hein. Hop les. Ok, good. Alors, maintenant. Là... Ouais, ouais, je m'amuse. Hein. Mais alors, comme une fifou. Là... Là. Ah, là-bas. C'est bon, j'ai trouvé. Il est trouvé. Où il fallait aller. Ah bah, je peux juste remonter, en fait. Je me casse la tête pour rien, les amis. Pouf. Enfin, je peux remonter, quoi. Et voilà. Wouh. Salut. Waouh. Un peu le bordel, hein. Voilà, voilà, voilà. Là-bas, je peux pas y aller parce que c'est une porte fermée. À code. Voilà, c'est une porte fermée à code aussi. Là-bas. Aussi. Ça. Faut que j'aille là-haut. Tu renimes. C'est vrai que les... Avec des paradoxes. C'est vrai que les IA n'aiment pas trop le paradoxe. Donc oui, effectivement, oui. Allez. Ah. Une date porte. On avance. Doucement, mais sûrement. Et après ça... Il fait jour, la lumière du jour, mon dieu. Et après ça, je vais couper là. Regardez-moi ça. Ça va connecter les flux. Et hop, c'est parti. Tadam. Et turbines sont à fond. Et moi, je vais aller gentiment sur cette petite passerelle. Il faut juste que je descende. Heureusement que j'ai pas de dégâts de chute, hein. C'est un petit ascenseur. Et oui. Bon allez. Je prends cet ascenseur et je crois qu'après il y a un checkpoint. Hop. Et voilà. Oh mon dieu. Ok. C'est vrai que t'as un robot aussi. Peut-être. Je serai là, ne t'inquiète. Ne t'inquiète pas, Jackie. Bon. Eh ben... On va aller jusqu'à la porte. J'attends de voir s'il y a une... Bon, voilà l'ascenseur. Impeccable, magnifique. Bon bah les amis, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans l'épisode 8 de Portal 2. Et on va aller griller le cerveau de cet énergumène. Voilà. Allez, salut tout le monde!